monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est jour de tempête. C'est la première tempête. Et à cause de ça, t'es pas allé au travail, entre autres, là, parce que à l'heure qu'il part, genre 4h45, je pense que les routes sont pas encore déblayées. Donc, il est avec moi à la maison aujourd'hui. Il faut quand même que je travaille ce matin, mais ça tombe bien parce qu'après-midi, je voulais aller faire des cadeaux de Noël. Je suis pas trop avancée dans mes cadeaux, mais là, tu sais, mon planning est fait. Moi, chaque année, genre, ça me prend un planning. Tu sais, j'écris le budget, j'écris plein de suggestions à la personne. Là, je me fais une liste des magasins. Et là, je peux partir à la course aux cadeaux parce que sinon, on dirait que je suis juste comme pas. Je sais pas, faut que ce soit clair dans ma tête avant que j'y aille parce que sinon, je suis trop. En fait, c'est ça, je suis trop indécise, je pense, comme personne. Fait que ça me prend un plan. Et des fois, j'attends aussi après les gens qui m'envoient des idées de cadeaux si jamais j'en ai besoin et tout ça. Fait que bref, je suis en retard cette année, quoi qu'on ait juste le 6. Donc, c'est pas si pire. Mais je pense que je vais pouvoir régler beaucoup aujourd'hui. Puis, pas tout s'il y avait besoin d'en faire. Fait que ça tombe bien. Là, je vais juste me faire à déjeuner. Je commence à avoir faim. Je me suis levée à 8h, ce qui est tard. Il est 9h maintenant. Oh my god, viens voir le petit sac traîné. J'avais oublié, Pat avait acheté des pâtisseries hier. Une place qu'on aime beaucoup. Oh my god, ok, j'ai un déjeuner. Je m'en aime faire un smoothie à vivre, chose que je vais sûrement faire pareil. Je sais pas pourquoi, mais les lundis pour moi, c'est équivalent à smoothie à vivre. Genre, on dirait que ça porte bien ma semaine. Tu sais, il y en a que le lundi, c'est ça, c'est comme leur journée un peu, reprendre les bonnes habitudes. Mais je sais pas pourquoi, mais à chaque lundi matin, je crave un à vivre. Fait que j'ai des lundis smoothies, mais je vais aussi manger ça parce que c'est trop bon. Et il était attaché en passant parce que hier, j'ai pogné Lily la face dedans en train de commencer à gruger ce petit. C'est pas un poisson, c'est pas un truc aux pommes, là. C'est tellement bon, ces affaires-là. Oh, c'est cochon, mais c'est bon! En fait, il est parti pelleter dehors parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais regardez la neige qui est tombée! C'est fou, mais là, il pleut, puis je pense qu'il annonce 9. Fait que d'après moi, tout ça va fondre, mais il en est tombé beaucoup. Let's get the day started! Il faut que je travaille ce matin, je me suis fait une petite liste avec toutes les petites jobines que j'ai à faire un matin. C'est pas si pire, c'est genre des corrections de contrats, des posts, médias sociaux, des affaires de même. Mais je vais quand même tout faire ça avec vous. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon déjeuner en haut, là. Ces temps-ci, je mange souvent devant l'ordi parce que je manque de temps, mais là j'avoue que le déjeuner, j'aurais pu prendre le temps de le savourer en bas. I guess que je voulais juste être efficace en vloguant slash mangeant slash travaillant. Mais c'est ça, je vais faire ça avant midi, après cet après-midi, comme j'ai dit, on va aller faire des cadeaux. Puis relié à ça, ce soir, je me suis dit que je pourrais vous lire rapido ma wishlist de 2021, comme ça peut-être ça va vous donner des idées pour vous ou pour quelqu'un. J'ai tout ça dans mon ordi, là, fait que ça va être un petit vlog, relax à la maison en cette première journée de tempête. Oh, c'est incroyable comment c'est bon. Oh, je me suis sentie comme en France pendant un moment. Ça fait du bien. Genre, ces temps-ci sur Instagram, entre autres, je voyais plein de gens aller en voyage. Ça me donnait tellement envie. Hein. Je sais pas quand, mais c'est sûr que j'ai hâte de revenir en France. Puis j'aimerais aller en Belgique aussi, vu que je suis jamais allée. Bref, je vais juste faire un petit tour de mes emails en déjeunant. Puis après ça, je vais me préparer. Puis je vais vous retrouver pour la portion travail. C'est rien de wow, mais je vous ai montré un petit peu récemment justement sur ma chaîne mes journées de travail, à quoi ça ressemble et tout ça. Je sais pas si vous avez vu ce vlog-là, mais j'avais beaucoup aimé le faire. Je sais que vous l'avez beaucoup apprécié aussi. Fait que c'est ça, ça va juste être un petit aperçu aujourd'hui. Bon, en fait, il y a pas grand email à cette heure-là, alors je pense que je vais plutôt aller lire vos derniers commentaires sous mon dernier vlog. Donc c'était, j'ai créé un jardin d'hiver, plus mes décos de Noël 2021. Vous allez peut-être voir vos commentaires apparaître, ça sera drôle. Alors, très cosy, très joli. Quelle chance d'avoir cette neige chez nous en Lorraine, France, qu'il y a de la pluie. Ce jardin d'hiver. Très joli, les sapins naturels doivent être arrosés normalement quand ils sont à l'intérieur, mais je ne sais pas si dehors c'est nécessaire. Ben, effectivement, je me dis que non. Wow, tellement beau. Oups, c'est si beau. Je vais tout liker vos commentaires. Vous êtes super fines ou fins. C'est trop beau, c'est une tiens en plus avec la neige, le top, hâte de voir les prochaines vidéos. Oh my god, c'est tellement beau, trop beau le résultat final. Merci, merci les amis. Oh, j'en avais manqué ici. Moi, j'adore. Peux-tu... Ah, le lien du plan du banc. Oui, je vais vous retrouver ça. Ok, là, j'ai tout pris vos commentaires. Ah, puis by the way, ça, j'ai pas rangé cette petite pile ce matin. Je pense que vous pouvez deviner pourquoi. Est-ce que ça vous rappelle une certaine époque, tout ça? Je sais pas, là, je dis ça comme ça. Peut-être que vous allez avoir un flash, peut-être pas. Bon, je vous ai comme ramené ici finalement parce que en me préparant cette année, il faut que je pense à est-ce que j'ai un TikTok que je pourrais faire simultanément. C'est un peu plus challengeant là, créativement. Ben, je veux dire pas créativement, mais de penser à faire du contenu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, and so on. C'est plus ça, je veux dire. Mais ce qui est le fun, c'est que là, les gens, ils me posent des questions, mettons. Puis là, moi, je les mets dans mes favoris. Donc, dans Reply ici, favoris, je pré-sélectionne. J'en ai pas plus que ça. Ah oui, ok, excusez, je t'en parle pas, en tout cas j'ai ça,
des questions présélectionnées. Et donc, je regarde s'il y en a une qui fit avec, tu sais, ce que je m'en allais faire peut-être comme maquillage ou comme thématique. Je voulais essayer d'en filmer deux, justement, aujourd'hui. Fait que là, je vais commencer mon maquillage, je vais répondre à une question en lien avec le recours cils, finir mon make-up, après ça, faire un résumé. Ben, j'ai pensé à ça hier, un petit TikTok que je pourrais faire de idées cadeaux de Noël, tu sais, très rapide, là, mais en lien avec des tendances beauté qu'il y a eu sur TikTok, genre gua sha, la brosse Revlon, des choses comme ça. Juste une petite vidéo suggestion, recap, si on veut, là. Fait que je me lance et puis je vous retrouve juste après. Oh, c'est vrai, en attendant, en me préparant, je vais finir le podcast. Terrible! C'est un nouveau podcast, je voulais vous suggérer. Je trouve ça vraiment bon. Je le connaissais pas, c'est avec le pharmacien. Et ils sont à la saison 2. Je pense qu'éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une saison 3, mais c'est tellement intéressant. My God! Genre, c'est comme une enquête que tu suis à travers les podcasts. C'est vraiment, vraiment intéressant. Le premier, c'est sur le phénomène de sudation. Puis le deuxième, c'est sur... Attendez, je suis pas capable de prononcer ça. Ayahuasca? Ayahuasca. En tout cas, vous savez c'est quoi sûrement, là. Mais ouais, j'aime ça, c'est comme une quête un peu de raison ou scientifique ou éthique à travers ces thématiques-là qui sont comme pas évidentes ou qui sont controversées et tout. Fait que c'est vraiment bon si jamais vous vouliez une nouvelle suggestion podcast, là. Moi, je suis rendue ne pas nuire ici. Ça, moi, je peux pas encadrer ça parce que... Faire mon deuxième, c'est tellement aliénant, serait écouter parler. Je suis comme, je sais qu'une fois montée, ça va faire du sens, mais quand je le fais des fois, je suis comme... Premièrement, la brosse chauffante de Revlon, ça a fait fureur cette année et c'est un super outil pour les gens peut-être qui frisent naturellement puis qui veulent avoir les cheveux lisses. On passe ça puis c'est comme tout en un, ça fait un super beau brushing. Ok, fait qu'il est rendu 10h30, il faut que je me dépêche, mais ça va bien pareil. Tout ce que j'ai à faire le matin, c'est quand même des petits trucs. Fait que j'ai pas fait de reel, mais j'ai fait deux TikTok. Ils sont pas montés, mais ça me prend honnêtement 5 minutes à faire. Là. Fait que je le fais souvent le soir en faisant jouer Lily ou quelque chose comme ça. Ah, Vitry, ouais, il va falloir que je règle ça tout de suite. C'est un contrat que j'avais envoyé, un concours sur Instagram. Il manque le caption en fait, donc ça aussi, ça va prendre comme 5 minutes à écrire, mais il faut que je le fasse. Je vais renvoyer ma vidéo en même temps. C'est un petit reel que j'ai fait un peu spontanément. Je sais pas s'ils vont aimer ça. Je peux vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Oups! Si on s'entend, c'est méga simple, mais j'aime quand même mieux faire ça que genre des photos. C'est juste une photo avec les produits comme ça, on dirait que je suis comme... Je tannée. C'est parce que les marques demandent tout le temps ça, mais ça fait très pub, genre très classique. Fait que tant qu'il y a, j'aime mieux proposer des reels parce que c'est ce qu'Instagram aime en ce moment. Les gens préfèrent ça aussi. Ça fait juste mieux, je trouve, pour le contenu commandité en général. Fait que, ok, ça, j'ai pas besoin de m'en occuper tout de suite. Je vais renvoyer donc la caption. Donc ça, c'est bon. On envoie. Hop! Donc Vitry, c'est fait. Là, j'ai un autre contrat à corriger. J'ai oublié de faire ma description hier, c'est vrai. Je déteste faire ça, il faut que je fasse ça, mais je déteste faire ça. Mini parfum Ariana Grande. C'était pas super, j'avais quand même une base là, vu que j'avais dû préparer cette vidéo sur papier. Donc je mets ça à jour, enregistré, bam. La description YouTube c'est faite. Ok, il en reste plus gros. Prochaine chose que j'ai à faire sur ma liste avant Neutrogena, mon contrat qu'il faut que je renvoie avec des petites corrections, c'est de poster justement un contrat qui a été approuvé et qui s'est déjà ramassé sur le site, mais pas le site, mais la page de Sephora Canada, parce que c'était aussi comme en collab avec eux. En tout cas, je sais pas trop, mais moi je l'ai pas posté encore. Ils l'ont posté avant moi. Ça va prendre 2 secondes dans le fond parce que tout a été comme approuvé, tu sais. Fait que j'ai juste à copier-coller et poster. AirDrop, je vais mettre ça dans mon sel parce que ça a l'air que j'ai pas la bonne version. Ça ici. Ajouter le texte, copier-coller. Oups, couverture, qu'est-ce qu'on prend? Je ne sais jamais. D'habitude, je mets le résultat final, donc quelque chose ici. Oup. Yay, c'est mis, parfait. Bon, c'est fait. Yay, j'ai fini! Donc j'envoie ça à mon agence et c'était la dernière chose que j'avais à faire cet après-midi. Donc on va partir aller faire nos cadeaux. Il est rendu 11h30, donc c'est parfait. On est parti dans la slush, alors j'ai mon petit...
guide cadeau d'ici. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche des bols pour mon ami. Des beaux bols style céramique. On verra qu'est-ce que je trouve. Il y a un Maison Simons, il y a un Home Sense, la baie. Peut-être que je vais trouver là-bas. Faut que j'aille à la SAQ. Je devrais peut-être pas nommer les gens au cas où qui regardent mon vlog, mais je pense pas que mes proches regardent mes vlogs à part genre mes parents, je pense. Ah oui, il faut que j'aille chez Renaud Bré aussi. Ok, je peux pas en dire plus pour l'instant. On me signale à l'oreille que peut-être il y a. Je vais te donner trop d'indices sinon. Fait que c'est ça! Oh, je trouve pas de cadeau pour mon ami. C'est vendredi, au secours. Oh, aussi de roche. Et c'est quoi ça? Des mini bines empilables? C'est des belles affaires chez Hope Sense. D'autres roches. Ok, merci, quand je vais regarder ça. Toujours des beaux paliers ici. Mais il n'y a pas de vaisselle pour mon ami. Qu'est-ce que je fais? Bon, fait que les petits cadeaux de Noël sont ici. Oh, c'était quelque chose. Non, mais c'est juste qu'on est tellement encombrés de magasiner les cadeaux avec nos manteaux. Le masque, il fait chaud. Il y a du monde. C'est pas fun. C'est pas trop le fun. Pour ça, j'aime bien ça maintenant, acheter des cadeaux en ligne. D'ailleurs, il va me rester certains à faire en ligne. Mais après ça, je pense que j'aurai fini. Je capote. En fait, on est le 6 décembre, gang. D'habitude, là, je finis ça 15-20 décembre plus. Je suis pas dernière minute, mais quand même. Je suis pas non plus le genre de fille qui est prête en novembre, tu sais. Fait que mon ami s'est faite. Après ça, ma soeur s'est faite. Le reste, c'est ça, faut que j'achète sur Internet. Mon père, j'ai le temps d'y penser encore un peu, mais il y a un truc aussi que j'achète sur Internet. Ma mère s'est réglée aussi déjà. Mon copain, ouais, ça va être en ligne aussi, mais j'ai trouvé. Il m'a pas vu tantôt acheter, haha. Mais j'ai pris ça pour aller avec son gros cadeau cette année. Un petit truc que je peux pas montrer parce que peut-être ma mère écoute mes vlogs. Après ça, d'autres choses aussi que je peux pas montrer. Ouais, non, c'est ça, je recheck ma liste puis tout va se trouver sur Internet le reste. Fait que, yay, je vais avoir ça dans quelques jours et ça va être réglé. Yay, yay. Je vais avoir le temps de faire mes cupcakes. Il me reste d'autres posts à faire pour aujourd'hui finalement. Ouais, trois autres encore. C'est vrai, on est allé à l'épicerie aussi. Il manquait des affaires. Entre autres pour ma vidéo de la semaine prochaine. J'en reviens pas que ça existe encore des tubes de Yoplait. Y a-t-il quelque chose plus années 90-2000 que ça? Ou peut-être ça? Hein? Des bonnes vieilles céréales sucrées sans bon sens. Mais là, je vous fais trop des scoops, là. Mais en tout cas, on a acheté une coupe d'affaires de même. Et du jus de pomme, parce que j'ai genre vraiment une addiction des fois au jus de pomme. Pas au jus d'orange, là. Pas à d'autres jus. Le jus de pomme, là, à 11h, minuit le soir, ça me pogne tout le temps. J'ai vraiment envie de caler, genre, du jus de pomme frette. Je sais pas pourquoi, je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais c'est quand même une drôle de petite addiction. Mais ça faisait des mois que j'en avais pas. Alors là, j'étais due. Je suis juste en train de préparer. Je vais commencer les cupcakes, puis je vais faire la vaisselle après en même temps, parce que il y en a plein. Le four aussi, et ça, comme, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus en contrôle de la maison. Je vais vous montrer mon tableau des tâches tantôt. Ben, je vous l'ai déjà montré, mais il y avait bien des affaires en retard. C'est pour ça que j'étais comme, oh, je vais faire les poussetages des plantes. Quoique là, il fait noir. J'ai ça qui fait noir si tôt, là. Ça me bloque dans ma journée. Bon, fait que ça va être juste des cupcakes bien classiques, là. Pas de recette maison, comme dans le bon vieux temps. Je suis désolée, je suis toute en train de vous donner mes scoops de ma vidéo de la semaine prochaine. Que j'ai pas nommé, mais que je suis sûre que vous avez deviné c'est quoi. Ah ah! Il y a des petits moules en silicone. Il me semblait que j'en avais. J'ai comme des anciens papiers, mais j'ai ça aussi. Ok, là, je suis comme en deux tailles avec mes moules. Je fais quoi? Oh non! Oh my god! Bon, tant pis, je pense que je vais les faire à l'ancienne pour que ça fitte dans ma vidéo. Hein? En papier. Avec ceux-là. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que je ferais bien? Je sais pas si je veux faire les plantes à soir, il fait trop noir. Ça, je pourrais le faire en prenant ma douche tantôt. Je vais faire les contre-marches à la place. Ça me sont dus, j'ai vu l'autre fois. Attends, hein, faut faire ça souvent. Ça part bien. En tout cas, avec une éponge magique, ça part bien. Thank you.
quoi, genre 10 produits que je mets. C'est ma petite pony des en ce moment. Anti-rougeur, anti-cicatrice, sérum pour les cils, fucking bon sérum pour la peau, bon ma lèvre, crème, penche fille. Oh non, contour des yeux. Ça finit jamais. Bon, fait que finalement, nous voilà en fin de journée. Il me reste juste à commander les cadeaux manquants. Et je me rends compte que c'est plate un peu mon vlog, là. J'ai genre pas pu vraiment vous montrer qu'est-ce que je voulais acheter aux gens. Il y a peut-être genre... Je pense que mon père, mettons, regarde pas mes vlogs en ce moment. Fait que je pourrais peut-être vous montrer un truc que j'ai trouvé pour lui. Que je trouvais quand même que c'était une cute idée. Puis je sais pas si je prends un risque que mon ami voit. En tout cas, je vais vous montrer. Je pense pas qu'il regarde mes vlogs. Non, je pense pas qu'il regarde. Ok. Ben, il y a le livre de Joanna Gaines, entre autres, que je connais, mais que j'ai jamais vraiment suivi. Pourtant, je suis sûre que j'aimerais qu'est-ce qu'elle fait. Bon, là, c'est juste des pages. Il y a pas de photos. Ok. Oui, c'est ça. C'était son deuxième livre de cuisine. Her Pairings. Voilà Joanna. Et ressemble à ça. Sinon, pour mon père, j'ai trouvé ce babillard. En fait, c'est moitié tableau, moitié babillard. Je trouvais ça bien parce qu'il se fait toujours plein de petites notes. Tu sais, il est du genre à avoir un calendrier, papier, puis tout ça. Puis en tout cas, il perd tout le temps ses petites notes. Fait que j'ai comme, ça te prendrait un babillard là, quand je suis allée chez eux l'autre jour. Fait que je vais y prendre ça. Puis le concept, ça serait que quand il va le déballer, j'ai déjà mis genre plein de petites notes avec des petits mots cute, là, genre gentil, puis tout. Des petits mots que je pense qu'ils vont lui faire plaisir. Puis je voulais aussi prendre ces petites punaises-là. Elles sont le fun parce qu'elles sont attachées à des pinces. Fait que justement, juste pour comme pincer des petites note rapidement, je pense que ça va être parfait. Mais sinon, moi je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai demandé au Père Noël cette année. Peut-être ça va vous donner des petites idées. Je vais vous lire ça bien relax en sirotant mon petit thé d'extra un peu moins chaud et après, ben il faut juste que je fasse des petites jobines restantes puis ben voilà, notre journée sera complétée. J'aurais aimé ça monter ce vlog-là à soir parce que cette semaine, genre, j'ai aucun trou dispo, je manque vraiment de temps pour les vlogs en ce moment. Ben, pour ma pige dans les livres, j'avais suggéré une brève histoire de l'humanité. Honnêtement, j'ai pas entendu personne m'en parler, j'ai vu qu'il était bien noté, puis j'étais comme « Ah, ça a l'air intéressant! » Et j'ai jamais lu cet auteur, alors ben j'aimerais bien. Ah, une sortie! Tu sais, j'ai laissé la personne qui m'a pigé, que je sais pas c'est qui, me proposer qu'on fasse une sortie ensemble, juste avoir du temps de qualité avec la personne, tu sais, genre cinéma, resto, aller au jardin botanique, n'importe quoi. J'ai demandé aussi des gants de nettoyage pour les plantes, justement, tu vois, fait que je l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai fait autre chose à la place. Mais ça avait l'air pas pire, c'est Laura qui en avait parlé sur son compte de plantes, Laura Pigeon, puis ben apparemment c'était bien, tu sais, puis c'est plus facile que d'essayer de tenir un petit scotch tape, une petite guenille, tu sais, puis d'aller comme tout dépoussiérer les plantes. Fait que j'ai demandé ça. C'était pas cher, il y en a sur Amazon si vous voulez. Puis ouais, je trouvais que c'est une bonne idée. J'ai aussi demandé, tu sais, la pige, c'était comme un budget de 30$, donc c'était des plus petits cadeaux. Des pinceaux fins pour faire du nail art, parce que figurez-vous donc que j'en ai aucun. J'en ai pas. Fait que des fois, quand je fais des designs, c'est vraiment juste à la main levée, là, comme avec le pinceau. Pinceau levé comme ça, mais c'est pas très précis. Tu sais, pour faire des lignes, des choses de même, ça me prend vraiment des petits des liners, genre qui appellent. Du taille en poudre. Oh my god, je vous jure, j'ai demandé ça parce que j'en ai jamais. J'en ai jamais eu, puis je sais que tout le monde sur Instagram ou en vlog me parle quand j'ai des affaires genre blanc taché, que c'est la meilleure affaire, que c'est un classique, genre ça me prend ça absolument, fait que je veux essayer ça. Ah, j'ai demandé une tablette de papier pour de l'aquarelle parce que j'ai carrément rempli, je pense, tout le petit bloc que j'avais avec des sketchs de jardin, donc j'en ai plus. Et je fais souvent aussi des cartes de Noël avec ça, fait que ouais, j'ai besoin de papier aquarelle. J'ai aussi demandé, c'est quoi, coussin, repos, genoux, jardinage? Ah oui, ouais, c'est aussi pour jardiner, comme quand on est par terre à quatre pattes. J'en ai juste un petit, comme un peu cheap. Il en existe des plus gros, des plus solides, donc j'en ai demandé un, c'est comme 15$. Le livre L'anxiété sans complexe de Sophie Maffolini, donc suggestion de livre. C'est pas tant... Ben, un peu pour moi, parce que, tu sais, oui, j'ai déjà eu des périodes un peu plus anxieuses, mais c'est vraiment par rapport à un sujet en particulier, puis je peux vous garantir, je suis pas une personne anxieuse dans la vie, je suis une personne stressée, mais je suis pas une personne anxieuse. Or, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui le sont, que ce soit de manière plus ponctuelle, justement, comme j'ai déjà eu, mettons, dans les dernières années, ou qui le sont de manière plus permanente, genre anxiété généralisée, fait que... C'est ça, j'ai comme le goût de m'outiller plus un peu peut-être pour ben mieux comprendre encore, puis peut-être aider mes proches qui sont atteints de cette terrible maladie, j'ose le dire. Voilà, j'ai demandé aussi du Feliway pour les chats parce que il y en avait mis la dernière fois au vétérinaire, tu sais, comme sur la cage de Lily, puis tout ça pour la déstresser, puis ça semblait faire effet. C'est pas tous les chats, on dirait, qui réagissent également à ça, mais c'est ça, c'est comme des...
j'allais dire des hormones, non, des phéromones qui sont apaisants en général pour les chats. Donc même si on a, je sais pas, de la chicane entre deux chats dans une maison, il y en a que c'est un diffuseur, je pense, puis il y en a que c'est un spray. Donc moi j'ai demandé le spray. Sinon j'ai redemandé des essuie-tout réutilisables clean parce que c'est toujours bon, tu sais, on les composte après X temps, là, fait que c'est toujours bon d'en avoir. Je voulais aussi plus de culottes menstruelles, j'en ai demandé. J'étais allée pour NYX. Cette fois-là, on m'avait déjà parlé de cette marque-là. J'ai déjà fait un vlog sur le sujet des menstruations écolo, si jamais vous avez manqué. Puis je disais que moi, mes manières préférées à date, c'est vraiment la coupe, mais même un petit peu en haut de ça, ça serait vraiment les culottes menstruelles. Sauf que j'en ai pas assez pour faire genre un cycle complet. Et j'en ai comme deux qui sont un peu serrées, là. Fait que c'est ça le problème, tu peux pas les essayer quand t'es commandes en ligne. Fait que là, j'espère que je vais avoir la bonne taille, ben si jamais j'en reçois. Ah, j'ai demandé de la peinture brass pour le métal, parce que vous vous rappelez, mon îlot, j'étais pas sûre si finalement je le mettais parce que j'avais de la peinture en métal noir puis je trouvais ça trop intense. Fait que là j'aimerais ça le mettre brass au lieu d'argent comme mes autres trucs métalliques dans la cuisine. Puis ça va servir c'est sûr pour d'autres projets aussi. Brosse à dents en bambou encore là parce qu'il faut les rechanger de temps en temps, les composter et tout. Brassière, sauf que ma soeur a pas mis cette idée cadeau. Pourtant d'habitude elle aime ça me donner des sous-vêtements. Genre ma soeur elle aime ça choisir des belles culottes puis tout ça. Moi je suis comme je m'en fous, je mets n'importe quoi pour vrai. Mais elle a toujours aimé ça choisir ça. Fait que je vais y laisser le choix de ma brassière. Quoique là c'était assez spécifique, c'est genre les brassières beige pas de bretelles que genre tout le monde a besoin là. J'ai perdu la mienne, je sais pas ce qui s'est passé, ça fait des mois de ça, alors je me débrouille ça. Mais j'ai perdu la mienne, je comprends pas comment on peut perdre une brassière dans une maison. Je sais pas. J'ai demandé aussi des ingrédients pour faire des produits maison parce que j'ai reçu le livre des mauvaises herbes pour faire des produits pour la maison nettoyants. Mais il y a des nouvelles recettes là-dedans, c'est ça, avec des trucs que j'ai pas, genre de la crème de tarte, de la terre de diatomée qui va être pratique aussi pour le jardin, des cristaux. Il y a percarbonate de sodium aussi que j'ai plus, le SCS non plus, j'en ai plus, et SCI avec quoi je fais mon cake vaisselle maison. La recette est dans mon deuxième livre en passant si jamais vous voulez faire ça, mais ça va tellement bien chaud pour faire la vaisselle ou même d'autres tâches ménagères. Et de l'alcool isopropylique que j'ai jamais eu non plus, fait que ça va me permettre de faire plus de recettes. Puis je voudrais bien faire ce vlog là avec vous d'ailleurs, ben faire ces recettes là en fait avec vous, le faire en vlog, parce que ben j'en fais de temps en temps, mais là ça serait toutes des nouvelles recettes de leur nouveau livre, donc des recettes peut-être un peu plus poussées ou efficaces, je sais pas trop. Et j'ai demandé des plantes parce que là j'en ai une couple qui sont mortes pendant l'été là, quelques-unes, des genres de succulentes ou petits cactus souvent là que je leur donnais pas assez de lumière là, fait que je sentais leur mort venir disons. Mais c'est ça, j'ai demandé des plantes aussi, tu sais, elle peut choisir dans le fond qu'est-ce qu'elle veut là-dedans. Fait que j'ai comme subdivisé un peu à mes proches, mais ils peuvent changer les idées. C'est juste j'ai mis des idées un peu à qui genre je penserais que ça serait plus simple d'aller acheter ça mettons. Ah, à Pat j'ai demandé un repose-pied pour quand je suis à l'ordi parce que en réalité question ergonomie, je suis pas encore top. Genre j'ai pas de repose-pied. Puis je suis petite, fait que mes jambes moi sont tout le temps trop basses, je suis jamais à 90. Fait que juste de me faire un genre de triangle comme une pointe de fromage ou de tarte, un triangle en bois que je sois comme dans le bon angle puis à la bonne hauteur. Fait que je sais pas s'il va me fabriquer ça, je sais pas, mais j'ai demandé. Outils de jardinage de bonne qualité, oui je voulais un coupe-bordure demi-lune parce que j'en ai déjà eu un cheap qui a cassé à la première utilisation. Fait que voilà, oh mon dieu, j'avais vu une fontaine solaire sur le site Inspire Uplift. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est genre un site avec plein de petits gars qui ont l'air toutes plus intrigants les uns que les autres, et je sais pas si ça marche pour vrai, mais toutes les reviews sont 5/5, mais c'est une fontaine, c'est ça, solaire. Fait que tu le mets genre dans ton petit bain d'oiseau, dans ta piscine, je sais pas, n'importe où, puis ça fait une fontaine. J'ai demandé ça, mais je pense pas que je vais l'avoir. Et sinon, il y avait un livre sur l'hypersensibilité, j'en ai pas. Fait que je me suis dit, ah, peut-être. Hypersensible et heureux, mais tu sais, ça peut être n'importe quel dans le fond. Et j'hésitais aussi, là, ça, j'ai mis un point d'interrogation. Mais savez-vous si c'est worth it, genre les petites imprimantes pour cellulaire, dans le fond? Parce que tu sais, on prend plein de photos, mais on les imprime pas vu que sont dans notre cell. Mais comme les petites imprimantes, genre Canon, Ivy, des choses comme ça que tu commandes à distance, puis ça te fait genre comme un genre de Polaroid si tu veux. Fait que je sais pas si c'est worth it là, mais je pense que c'est dans le temps que j'avais pas d'imprimante. C'est ça là, j'ai racheté la vieille imprimante à ma mère, Brother. Fait que là j'ai une imprimante couleur finalement, parce que j'en ai besoin des fois pour mes vidéos. Fait que je pense que j'avais peut-être mis cette idée là il y a longtemps, puis genre je sais pas si c'est encore nécessaire mettons. Puis sinon ça ressemble à ça, c'est rien de bien bien flyé, mais peut-être ça va vous donner quelques idées cadeaux. Puis sinon de toute façon sur ma chaîne encore cette année, ça va être la semaine prochaine, ouais, mercredi prochain, je vais faire une autre vidéo de 20 idées cadeaux originales. Et j'avais déjà fait les autres années 50 idées cadeaux originales et 30 idées aussi, donc le plus 20, on a une centaine d'idées cadeaux originales. Fait que si vous manquez d'idées pour vous ou quelqu'un, je vous jure, allez voir ça, je suis sûre, sûre qu'il y a des affaires que vous allez faire genre ah, oh, j'avais pas pensé à ça. Genre c'est pas une vidéo que tu cliques pis c'est comme un pyjama, une bougie, des bas chauds, c'est vraiment des trucs originaux.
Ah ben c'est pas mal ça, écoutez, j'ai parlé en masse, fait que je vais vous laisser là-dessus, il est 9h15, je vais peut-être avoir le temps de commencer mon vlog un petit peu. Et puis ben voilà, ça va être des suggestions de vlog. Ah oui, moi c'est vrai, je voulais vous demander quelque chose, c'est vrai, en plus ça pourrait être mon prochain vlog, on va voir, mais ça pourrait être mon prochain vlog. Si vous avez des recettes, ok, végé ou vegan, parce que c'est comme ça qu'on, ben c'est comme ça qu'on s'alimente ici, disons, c'est les recettes qu'on fait, vos préférés, genre vos musts là, que vous savez, mettons que je n'aurais pas déjà cuisiné, parce que j'ai déjà fait des vlogs, tu sais, ce qu'il y a dans mon assiette, genre une semaine pleine base, mais donc si vous savez, mettons que c'est un livre que j'ai pas ou que c'est une recette de Pinterest, de je sais pas quel site ou blog, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires et je vais choisir, donc je sais pas moi, 7 recettes peut-être, puis vous filmez ça soit la semaine prochaine ou l'autre, dès que j'ai du temps. Je pense que ça va être vraiment le fun, fait que je vais découvrir vos meilleures recettes végé à vous, c'est quoi vos recettes que tout le monde, même qui est pas végé, mettons, aime, fait que n'importe quoi de plant-based, ah pas ce qui est piquant par contre, parce que je mange pas piquant, mais c'est la seule affaire, sinon dessert, collation, repas principal, là, je vais tout pouvoir tester ça, fait que vous pouvez me laisser ça dans les commentaires, j'ai même hâte de découvrir le tout, et puis ben sinon merci d'avoir été là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, merci mes dulles lunettes, bye!